Aujourd'hui, les communicants ont toute leur place sur les théâtres d'opération. Engagés au sein des battle groups, ils sont reconnus aussi pour leurs compétences opérationnelles. Le 1er décembre, dans la cour d'honneur des Invalides, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Racmadou, a mis à l'honneur 6 de ses militaires. Parmi eux, le lieutenant Flora Quentin, chef d'équipage en Afghanistan d'avril à juillet 2010. Il y a toujours un communicant avec les soldats combattants sur les théâtres d'opérations extérieures, que ce soit en Afghanistan, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il y a toujours un communicant qui est là pour mettre en valeur ce que fait la force sur le théâtre. Nous avions pour mission de suivre les troupes lors des opérations. Donc nous avons réalisé des images preuves et également des montages vidéo pour montrer à ceux qui sont restés en base arrière et aux Français ce qui se passe en Afghanistan. Le lieutenant Quentin était décoré de la Croix de la Valeur Militaire pour son engagement auprès des troupes sur le terrain, au cœur des opérations. Une citation qui récompense les faits d'armes en opérations extérieures. Elle est la première femme officier communication à recevoir cette distinction. Alors quand j'étais en Afghanistan, je ne me suis jamais sentie plus communicante ou plus soldat. En fait, je suis un soldat communicant. Le général Racmadou a salué l'engagement et le professionnalisme des communicants au sein des opérations. Je voudrais, si vous me le permettez, faire une mention particulière pour les soldats de l'image. Vous savez très bien que cette année a été rude, qu'ils ont perdu un camarade. C'était pas anodin pour moi de décorer un lieutenant féminin dont vous avez entendu comme moi qu'elle ne manque pas de courage et qu'elle a été, en plus d'être un soldat de la communication de l'image, elle a été un soldat du coup. Au cours de cette cérémonie, en même temps que ses communicants, 12 autres militaires ont été décorés pour leur engagement en opération extérieure.